Bon allez, c'est parti pour tourner la petite vidéo de la journée. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Attends, j'ai pas fait une intro fracassante à 2,90. T'arrives, Lewis Hamilton. Carrément dans les tours. Voilà, t'as vu le départ, GP, carrément, t'es choqué mon copain de ce qui se passe. Aujourd'hui le temps est assez nuageux, fin de journée frérot, petit soleil. On a ressorti pas la petite doudoune tard l'époque, mais la doudoune d'hiver. Hop, petite priorité à droite. Moi j'ai grillé la petite prio du vélo. Frérot, je t'avais abvu mon ref. Dis-moi pas que t'es un agent de la BAC en civil, un BAC en vélo. Hop, allez. Et bah mon cochon pour s'insérer ici. J'ai pas un MT10 ça. Regarde, tu fais chauffer le moteur. Et bientôt, on va passer le permis moto, les mecs. Le vélo, on passe le permis moto, après on enchaîne. Hein. Un pas de temps, on enchaîne directement avec le moto. Hein. Ça, c'est la voiture des baqueux, ça, la petite Ford. Bon, les frères, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, on a ressorti la grosse doudoune. La doudoune verte, parce qu'aujourd'hui, on va faire un truc de... comment on appelle ça? Un truc d'activité manuelle. Vous savez très bien ce qu'on doit faire les mecs, j'espère que vous allez bien. Mettez le pouce bleu avant que cette vidéo commence. Je sens qu'en ce moment les pouces bleus vous ravivez. Sur TikTok les vidéos là, vous êtes chaud sa mère. On est bientôt 14 000 sur TikTok, n'hésitez pas à revenir. Pour ceux qui étaient déjà là avant, mais j'avais un compte à 50 000 et frérot, on s'est fait bannir parce qu'à ce qui paraît la moto c'est trop dangereux. J'avais mis une vidéo avec le 85 où j'ai failli me retourner. Donc pour eux c'était trop dangereux frérot, ils m'ont supprimé la vidéo. Du coup voilà, j'en ai un nouveau, on est 14 000, je l'ai pub que deux fois, donc en vrai je trouve que ça va, vous m'avez retrouvé sur TikTok. Qui a déjà vu une de mes vidéos sur TikTok? C'est parce qu'il y en a en vrai, ils reprennent mes vidéos à moi et ils les mettent sur leur compte TikTok à eux. Bon après frérot, s'ils se font leur oseille, j'ai envie de te dire, frérot si t'as une 50 et que mettre des vidéos à moi ça te permet de payer ton plein. Bah en vrai, fais-toi kiffer mon ref. Tant que tu mets mon TikTok, au moins ça me ramène quand même des abonnés. Mais vas-y, je vais pas t'en vouloir. Je sais qu'il y a des... Faites gaffe, hein, il y a des youtubeurs, ils portent plainte parce que vous repostez leurs vidéos. Après, tu vois, si je vois que t'es pas méchant, au pire tu m'envoies un petit message, frérot, je fais une compilation, ça arrive souvent ça. Je fais une compilation, est-ce que je peux prendre tes vidéos? Bah je te dis oui, y'a pas de soucis. Pourquoi je dirais non? Pourquoi je vais faire le mec, vas-y, c'est mes vidéos, personne les prend. N'a rien à taper moi. Bon, j'ai envie de doubler le jeune bus là parce que... Bon du coup on s'en va, enfin laver cette putain de bécane, ça fait 4 semaines, donc un mois, bah oui frérot, bien joué, qu'on doit aller la laver. Merci d'avoir mis vos jeunes clignotants, oh non tu vas là-bas aussi, il arrive vite quand même. Non je me suis dit, vas-y, va pas me chiquer mon truc, va pas me chiquer la bécane. Non vas-y frère, le bus avec les petits, ah c'est bon il se casse. Bon, on reva à la station essence, si là elle est encore pleine, je vous jure, je dépose une demande de crédit à la banque et j'ouvre ma propre station. Wesh. Ok, c'est Naps. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Comment laver sa putain de bécane? Alors déjà, tu la pousses jusqu'au rupteur. Mais y a pas de rupteur sur une derby. Vous le savez pas encore? Y a pas de rupteur. Sur des Charcot, ça fait un bon gros bruit de rupteur. Sur derby, ça fait... Ouais, tu pousses comme ça et 110. Gagne. Hop. Ouais, t'es en train de Ken Gasper. Les gens, ils doivent se dire, c'est qui de se tarer, frérot? Bon, il fait température extérieure, pas chaud, hein, ouais, je commence à avoir froid. Putain, c'est beau. Je peux pas t'engueuler. Tu roules en Porsche, frérot, qu'est-ce que je te dise? Ah, frérot, tu m'as grillé la priorité. Non, tu roules en Porsche, wesh. On va faire la course avec la trottinette électrique. Hey, TMB, là. Martin et Jérôme qui se foutent de ma gueule parce que je dis que ma petite trottinette électrique, c'est un bolide. Hey, mais les frères, comparé à ces petites trottinettes qui vont à 25, la mienne, c'est un putain de bolide. Elle monte des montagnes. De toute façon, ils vont voir. Dès que j'ai le permis, Vlatipa, je vais charger ma petite 50 dans le coffre. Je vais débarquer, je vais aller faire les whoops en 50. Je sais même pas ce que c'est les whoops. Si je crois que c'est les trucs chez Burger King. Non, c'est les... Hop là, c'est... le petit cul de Martin là, j'aime bien. Ceux qui connaissent pas les frères, bien sûr vous connaissez TMB, d'ailleurs ils vous font gagner une 50. Hey, ils me font de la cocu. Ils vous font gagner une 50, bah moi je vais vous en faire gagner 2. Non, en vrai il a des couilles de le faire. Moi j'aimerais trop vous le faire, mais je me dis que si ça flop, je peux pas me permettre que ça flop. Tu vois? Là, pour faire ça, il faut avoir une marque de vêtements ou vendre des produits pour récolter ce que t'as mis dans la moto. Après, si tu fais un billet ou pas, ça je m'en branle. Tu vois, si je pourrais vous faire gagner une moto par semaine et que je perds pas d'argent, si j'en gagne pas, je m'en tape. Moi, ça vous fait avoir des motos comme ça. Tu vois, tranquille ou pilou. Mais je me dis que si ça passe pas, je suis trop dans la merde. Donc vas-y, si je signe un petit contrat de travail, que je fais rentrer de l'oseille, je pourrais peut-être tenter un jour de vous faire ça. Ça me ferait kiffer, wesh. Y'a plein d'abonnés qui me disent ouais, mes parents ils veulent pas, ils ont pas les moyens et coup. Et là, t'arrives, bam, tu poses la 50. J'aime bien ça, les petites Tiguan. Frérot, il nous a fait une jeune démarcation covering avec du scotch noir de chez Action. Y'a ça de père, ah, y'avait quelqu'un. Il a des jeunes éclairages plats qui clignotent. C'est effet stroboscopique. Ah bah bam 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 bam. Oh, je commence à cailler là, cailler sévère.
Tout en des priorités. Allez, pavé, c'est pas top hein. À la station lavage, s'il y a du monde, je pète un câble. Merci les refs, parce que je vois que vous aimez bien un peu les vidéos, pas des vidéos motovlog, mais des vidéos moto. Et en même temps, faire un peu de trucs, tu vois, on parle. J'aime bien, ou bam. De toute façon, c'est sûr, vous êtes pas là pour mes talents de mécanicien hein. Soit, il y a un tuto qui va sortir. Eh, ça va être le tuto des nuls ou apprendre la mécanique pour les nuls. Je vais vous apprendre à changer un kit chaîne. Changer complet, couronne, piston. Bah non, pas piston, couronne, pignon, chaîne. En partenariat avec Marc Kier. Par contre, les petits loulous de 650 Factory sont bien gentils, hein. Mais moi, je me fais harceler tous les jours pour avoir un putain de code promo. Et j'en ai toujours pas. Là, ça va chier. Je vais débarquer dans leur siège comme ça. Carrément, on va déposer par terre la boîte à force de passer comme un zouzou. Ça, quand je serai en voiture, les mecs, les dodans, faudra pas que je les prenne à la même vitesse que je les prends en 50. Hein. Eh, moi, je suis un taré hein, avec la 50. C'est beau, sa mère. Je sais pas ce que c'est. Si on peut manger où ils font que des vérandas, mais c'est beau. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Hein. J'aime bien. Oui. Vendredi night, pourquoi il y a autant de monde? Moi, je veux juste laver ma moto. Si vraiment il y a encore du monde, je vous jure, il y a moyen, je vrille. Après, vous m'avez dit, ouais, Léo, tu veux pas faire la queue? Bah non, frère, je veux pas faire la queue. Déjà, tu payes pour laver ta moto. Oh, c'est quoi cette connerie? Je peux rentrer par là? Ouais, je peux rentrer. Attends, faut faire gaffe parce que ici c'est la Zumba, frère. C'est le souk. C'est le marché. Ils sortent de partout, les gens. Lui, on sait pas ce qu'il branle, mais il branle. Ok, attends, analyse de la situation. À ce qui paraît, j'ai vu qu'au code, notre cerveau analysait. Oh, y'a personne. Oh, c'est mon jour de paye. Analyser 1700 informations par seconde. Moi, carrément, get la place pour la 50. Elle est clairement définie pour moi, mon copain. Get ça un peu. On va se poser là. Hop, allez, regarde. Je te montre. Je te fais un jeune tuto. T'imagines, on repart pas? Bon, allez, on passe à la vue du smartphone. Jeune tuto, posez béquille sur ça. Oh, ah, je suis trop fort. Et laissez la clé là-dedans. Sinon, après, il y a de l'eau qui peut rentrer. Je suis tellement intelligent. Bon, allez, je vous pose. Putain, attends, je vais aller poser où mes gants, moi? Oh, taille caille. C'est horrible. Bon, allez, on va mettre l'oseille. 1 minute 18 secondes, hein. Hein? 1€, 18 secondes. Non, 1 minute 18 secondes. Ah, carré, j'aime bien. Bon, allez, on va laver tout ça avec la petit spray là. Allez, c'est parti. Ok, on va pas m'entendre. Vous m'entendez? Non, je suis sûr que vous m'entendez pas. Ça fait un bruit de ouf le truc derrière moi. Je sors la YouTube monnaie. Attendez, on va mettre la jeune YouTube monnaie dedans. Allez, mange mon oseille. Mange, allez. Wesh. Nickel. Hop. 2€. C'est pas de tête. Regardez, parce que là, faut clairement la laver. Là, ça va plus, hein. Bon, ça, vous le savez qu'il faut la laver, mais on va enfin la laver. Ah ouais, là, frère. Ah ouais, non, ça commence à partir et tout. Ouais, ok, là il faut. Déjà, nous, on veut eau chaude, détrempée, en basse pression. Hein. Attends, ça va partir d'un coup. Wesh. C'est fort. C'est la puissance, là. Après, ça va même plus freiner, frérot. Ok, c'est parti pour laver le dossier. Là. Ok, on va faire un beau truc. Je vais pas te mentir, une main, ça va être chaud. Hein. Voilà, là déjà, le moteur un peu plus loin, ça va passer. Et là, le pot. Là, le pot. Regarde même comment ça va être chaud. Ça part même pas. J'ai juré, ça part pas. Allez, frère. Et oui, je crois. Pourquoi ce truc, ça y est? Je sais pas partir la trace. Parce que vas-y, la dernière fois que j'ai fait ça ici, ça, j'ai pas pu repartir. J'avais noyé la bécane. Et je te jure, par contre, la crasse, elle part pas. Hein. Et le pauvre frérot, faut qu'il donne à cœur joint. Hein. Ça va être trempé. Mais regardez, ça part pas. Bon, on essaye de faire un truc propre, vraiment. De toute façon, on est venu ici pour faire le pot. Hein. Pour que ça ressorte bien. Là, le petit liseré, là. Très important, le petit liseré. Hop, et on prend un rinçage. Petit rinçage de famille. Allez, ça part. Ça va faire partir toute la mousse. Elle va être toute belle. Par contre, là, je suis venu la laver. Il y a tout qui part dans le casque. Je suis en train de paniquer. Oh, putain, merde. Avec le vent, c'est horrible. Et le pot.
Voilà. Là, on verra déjà moins le carnage du pot. Toi je te range. On dirait une fois que t'as fini de pisser, frérot. Ah, j'ai la main congelée. On va regarder vite fait ce que ça donne. Quoi, ça a l'air d'être mieux quand même. Hein. Bah, on voit qu'il y a de la rouille. Mais on voit que là, je sais pas si vous voyez, mais regardez, ça part. La rouille part. Donc peut-être qu'en grattant, il y a moyen de récupérer quelque chose. C'est de la rouille de surface. On va voir si ça tourne. Moi, je dis ça tourne au quart. Hein. Il n'y a aucun souci avec ce genre de bécane. Ça tourne au quart. Là, frérot, le lavage, il n'a pas été très utile devant. Et là, c'est mieux. Là, déjà, c'est mieux. On voit qu'il y a du sel. Vous voyez tout le blanc? C'est de la mousse et du sel. Par contre, là, elle est un petit peu... Oh putain, la merde. Oh, c'est pas cool, ça. Et la GoPro, frérot, elle a pris tarif. Hein. Oh, le casque, il a pris tarif. Bon, allez. Bon, un conseil, les frères. Si vous voulez aller laver votre bécane, mettez pas votre casque derrière, il est trempé, je vous jure, j'ai la tête trempée. Bon, je crois que j'ai fait le lavage de 2 minutes le moins efficace de France. Mais ce que je voulais, c'était me concentrer sur le pot. Et c'est ce qui a été fait. Et chose due, chose faite. Maintenant, on va rentrer. Léger chiffon. J'espère que j'ai assez de batterie pour vous montrer. Oh pétard, vous êtes trempé, vous me l'avez même pas dit. Bande de petits coquins. Bon allez, on va y aller, il y a des gens qui attendent. J'ai pas envie de poser mon cul. Oh sa mère. Oh c'est trempé. Non. Vous avez vu? Elle redémarre au quart. T'as même pas besoin de faire quelque chose, elle part au quart. Bon, à ne pas oublier que maintenant ça a pu freiner et que les pneus ils sont glissants comme neige. Je crois que j'ai vraiment fait le lavage de 2 minutes le moins efficace de France. Oh les gens. Je suis sûr ils me cherchaient. C'est la brigade, elle a appelé. Bon, on va partir tranquille. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit,